Salut à tous, c'est Aquasis et bienvenue dans ce 9e épisode de Vagabondage. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sera pas dans Minecraft, c'est quand même, ce sera dans le Nether. Alors, tout simplement, déjà, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fait juste une petite entrée. Ce que vous voyez là, c'est juste une petite décoration. Je suis juste entré histoire que le... simplement que le Nether se génère, histoire que ça ne fasse pas laguer. J'ai... punaise! Oh là là. Bon. Tant pis pour la jolie entrée. Je vois que ça évite de tout cramer. Donc, on va... Donc, ce petit épisode se passera donc dans le Nether. L'objectif, ramasser un maximum de glowstone. Vous allez vous comprendrez pourquoi dans le prochain épisode. Et aussi un peu de netherrack pour d'éventuels... comme là, hein, d'éventuelles torches. Et si il reste un peu de temps, ce qui risque fortement d'arriver, à la limite, chercher d'éventuelles traces d'une forteresse. C'est parti. Entering the Nether. Bon. Alors, déjà, moi, je vais faire ma tactique habituelle de quand je suis dans le Nether, c'est-à-dire... je fais une ligne de feu pour me repérer. C'est pas très malin, surtout que la durabilité du truc n'est pas extrême, mais au moins... bon, disons que jusqu'ici, au moins, je n'en aurais pas besoin. C'est... oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bitzouf? Bon, apparemment il va falloir que je creuse. À moins que peut-être de l'autre côté. Mais ce serait con, ça me ferait éteindre tout le feu que j'ai allumé. J'ai perdu la moitié de la durabilité de mon briquet, rien que pour ça. Mais bon, moi j'ai allumé du feu, c'est rigolo. Alors, il y aurait bien une sortie, non? Je vais pas être obligé de creuser. Ah! Oh bah pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir trop besoin de... ah! Des champignons. Ça c'est bien ça par contre. Ça, je vais le prendre, donc je vais chercher un peu de glowstone hein, parce qu'on a que 15 minutes et je n'ai pas envie de gaspiller trop de mon temps là dedans au cas où ah j'y pense, mince, veuillez m'excuser. Voilà, j'ai oublié d'enlever parce qu'entre temps comme... oh ouh, ça crie forcément, j'avais oublié. D'un coup je me dis c'est bien vite sans monstre, je me disais aussi. Voilà, alors faire très attention, j'ai pris de la nourriture, je suis armé et protégé. Ouh, il y a un ghast dans le coin. Griffin. Ah, voilà, de la glowstone. Il y a déjà hein, la glowstone aussi, parce que bon, pour l'éclairage, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, là, il y a eu la là où je parle, il y a eu une dernière snapshot dans laquelle on va avoir des lampes de glowstone. La glowstone sera légèrement, mais alors très légèrement moins moche. Et en plus, on pourra l'activer à la redstone. Ce qui vraiment est... oh! Regardez! Une forteresse juste à côté! Si c'est pas beau ça! Il y a tout qui nous vient dans les mains. C'est un petit plateau d'argent. Bon, par contre, le ghast m'énerve à crier là. Bon. Ce qui est déjà pas mal, hein. Donc, je vais éviter de m'attaquer aux pigmen. Hein, j'avais envie de me faire massacrer. Surtout que bon. Ouh. Que bon, j'ai pas vraiment envie de gold nuggets. Je crois que c'est eux qui donnent ça, je suis plus tout à fait sûr. Mais bon, de toute façon... si oui, c'est eux qui donnent les gold nuggets. Je n'ai pas spécialement besoin. Je vais juste explorer les environs, voir ce que je peux trouver. C'est des champignons, merde. Ah, il est fatigant lui à hurler derrière. Je vais prendre un peu de... oh bon dieu. Est-ce que... ouais, non, c'est ça, c'est bien la pioche. Je vais très rarement dans le Nether. Quasiment jamais, vraiment. Donc, faut pas me blâmer si... et... on va peut-être... je me trompe peut-être, mais... la Netherrack n'a pas été retexturée avec la 1.0. Parce qu'il faut comprendre que comme j'ai installé un mode particulier, j'ai dû me baquer en 1.0. Oui, me baquer, ça ne veut rien dire, j'en ai rien à faire. Alors, il y a plein de champignons, on a la forteresse là-bas. Oh putain, regardez-moi, avec accès sur le... accès direct. Malheur. Donc ça sera toujours bon pour les Blaze Road, hein, pour pouvoir me faire des yeux d'Ender, aller dans l'End, évidemment, parce que bon, oui, faut... comme j'ai dit que je ferai tout, ça passera aussi bien par là. T'arrêtes, il faut qu'il arrête de gueuler, il est fatigant, parce qu'en plus il est loin, quoi. Je comprends pas comment on peut l'entendre d'aussi loin. Aïe! Maquiner un autre. Alors, je vais manger un petit peu.
Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé encore une fois, hein. D'ailleurs, de toute façon, quand vous le recevrez sûrement, là, tout ce que je dis sera complètement périmé, pour ainsi dire. Bon, alors voyons voir combien de temps ça nous fait là. Ça nous fait... Oh putain, ça nous fait que 7 minutes. 7 minutes, et ben vous savez quoi? On va préparer. Car j'ai installé le mode Heiser. Et oui, j'en avais déjà parlé, il y en a peut-être qui le savent, puisque pour ceux qui suivent le topic, enfin, entre guillemets, officiel de ma chaîne que j'ai installé sur le forum Printable World, parce qu'il fallait bien choisir un forum, et que c'est le seul étant vraiment suivi, on peut pas dire que pour les autres, genre Minecraft.fr, etc., c'est pas vraiment des forums que les gens suivent beaucoup. Donc, voilà, donc si vous voulez... Oh, il y a toujours ce bug des doubles portes. Alors donc, maintenant on va s'occuper du portail. Hop, 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 hop. Ah, je n'en ai pas assez. Damned. Alors, 2 secondes, je vais... Oui, c'est... Oui, non, non, là c'est les ressources. Le divers est là, voilà. Hop. Lost and Dust. Je vais déjà commencer à préparer le portail. Alors, pour ceux qui ignorent... honte à eux au passage, en même temps, pas trop en vouloir. Heiser, c'est le mode, en fait, c'est un nouveau, une nouvelle dimension. C'est le Nether, mais à l'inverse, donc le paradis. Donc là, on va le mettre ici, en face, parce que ce serait complètement. Et me revoilà. C'était juste un petit coup de téléphone à passer. Donc, alors, maintenant, nous allons nous attaquer. Hop. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû faire... non, non, faut que ce soit symétrique. Rien à foutre, de toute façon, j'en ai pas assez. Voilà. Tiens, dans ta gueule. Je retombe dans le Nether. Pas pris assez de glowstone de toute façon. Il en faut 14. Exactement. Sachant que 14 glowstone, ça... fois 4. 14, 28... oh putain, 42... 54. Non, 56. Il me faut, normalement, si je dis pas de conneries... Enfin, non. Je suis sûr que je dis une connerie, mais bon. 56 glowstone. De toute façon, ça m'en fera beaucoup. Enfin, 56 glowstone dust. Oh, putain. Le truc, c'est qu'elles sont toutes là. Qu'en dessous, il y a le vide. Et... oh, putain. Est-ce que j'ai de quoi... voilà, vous voyez, là, hop. Vous voyez dans l'inventaire, hein, les petites nouveautés que ça a ajoutées. Bon. On va se dépêcher, il reste environ 7 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 7 minutes précises, parfait. Il sera 18h19 quand il faudra que j'arrête. Hop, je prends plein de netherracks. Cependant, je vous préviens, je vais découvrir vraiment la Heiser en même temps que vous, puisque je n'ai jamais vraiment joué. J'ai bien essayé plusieurs fois de le présenter, mais c'était encore la période où, vous savez, je mettais le mode, je regardais juste un petit peu autour, puis paf, je lançais et j'improvisais. Ce qui faisait que souvent, très souvent, j'étais obligé d'arrêter, de recommencer et tout. Puis bon, après, bon, je me suis un peu plus organisé, comme vous voyez, hein, avec les listes de crafting, etc. Alors que là, je ne me posais vraiment que parler du monde, présenter et jouer un petit peu. Vraiment, c'était... pas, je veux dire, j'allais dire, ce n'était pas très professionnel. Mais en même temps, qu'est-ce qui est professionnel là-dedans, me direz-vous. Voilà. Oula, faut que j'aille mollo. Donc. Oh! Putain. J'espère qu'il est loin, parce que sinon là je suis dans la merde. Ouh là là. Ah, j'ai peur. Justement à ce propos, je tiens à le dire, j'ai une idée de série qui me trotte dans la tête, que j'ai eu aujourd'hui, que je pense réaliser. Ce sera très très simple, hein, mais je me dis que ça pourrait peut-être amuser certains. Donc de là, est-ce que ça peut être... ah, merde. Ah. Oh, beau. Bon, bah, au moins, je récupère la glowstone. Voilà. Hop, hop. Il y en a un peu partout. Voilà. Ouh. C'est bon, là, maintenant, c'est les bruitages. Oh, putain. Bon. Alors, par contre, j'en ai combien? Oh, bah, voilà, bah, j'ai un stack. Bah, voilà, c'est parfait. Que rêver de mieux? Allons-y. Allons-y, let's go. Non, 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 non. J'avais évité.
Donc on va pouvoir faire le petit portail, puisque mes connaissances se limitent au portail, aux alentours, légèrement au fonctionnement, puisqu'à la base j'avais too many items, donc j'avais 1000 portails, je me baladais, j'essayais de montrer des petits trucs, mais franchement c'était beaucoup trop bordélique et peu intéressant. Voilà. Donc là, le jour va se... il va se casser le jour. Donc on va en vitesse crafter donc les glowstones. Hop, hop, hop. 16. C'est bon, c'est parfait. Maintenant que le joueur ne l'est plus, on fait dodo. Et nous avons encore 4 petites minutes. C'est parfait. Parce que voyez-vous, maintenant, pour vraiment avoir de la place sur mon ordinateur, mais aussi pour avoir quand même une certaine rigueur, puisque on en a bien besoin, j'ai besoin quand même, je chronomètre vraiment les deux épisodes. De toute façon, ça se voit, hein, quand vous voyez que ça fait des fois 15 minutes pile. Alors, par contre, où est tout le... Ah, voilà. J'en ai déjà deux. Voilà. En fait, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est parfait. Et voilà, c'est parfait. Alors, oups, là. Comme ça, au moins, j'aurai de quoi faire du montage cette nuit. C'est une journée faite, mais mystérieusement, mon ordi s'est éteint sans aucune explication. Ça m'a légèrement saoulé. Hop, oula. Donc comme vous voyez, c'est exactement la même chose que pour un... Aïe! Ça, sauf que... Voilà! Donc voici un portail qui mène vers l'aether. Donc lui, donc obsidienne et briquet. Là, seau d'eau et glowstone. Donc on va maintenant se préparer. Donc comme la virée risque de durer un petit moment, hein, puisque je vais rester plusieurs épisodes là-dedans. D'ailleurs, ça risque peut-être même de prendre toute la série, hein. Après, je prendrai d'autres modes. Vraiment, c'est une série qui va durer de manière vraiment indéterminée. Peut-être même jusqu'à la fin de ma chaîne, si un jour j'arrête ma chaîne, peut-être. Pour l'instant, j'ai pas trop envie. Parce que, à défaut d'être très suivi, même si vous êtes quand même de plus en plus, vous êtes ni bientôt à... vous êtes plus de 170, au moment où je parle, d'ailleurs, je vous remercie vraiment sincèrement. Vous êtes tous très gentils. Surtout, tous vos commentaires sont souvent très encourageants. Et puis bon, même moi, hein, je m'amuse, donc c'est surtout pour ça que je fais ça, hein, pour m'amuser. Donc, déjà, voilà, en plus c'est rangé, hein, c'est très très bien, ça aurait été parfait si les deux auraient été... Non, en fait, non, c'est très très bien. Alors, ah oui, j'ai fait bêtement juste pris de la bouffe sans prendre le reste. Donc vraiment, je vais... Excusez-moi, je fais des retours pour rien là. En même temps, je m'adresse à vous, donc je ne réfléchis pas trop. Alors... Il faudrait que je trouve de quoi augmenter la qualité de mon micro. Enfin, surtout de prendre un nouveau micro quand j'aurai assez d'argent pour ça. Alors, la glowstone, le briquet ne me servira à rien. La bouffe. La selle. La selle, ça, par contre, ça va être très très bien. Ça va m'être très utile pour quelque chose. Comme quoi, j'ai bien fait de la garder. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle. Bon, ça, je crois que ça fait environ 15 minutes. Je crois que ça me fait même un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Qu'importe. Nous allons nous arrêter là. Et nous irons donc dans la tête en prochain épisode. C'est donc Aquasis pour Vagabondage dans le Nether. Je vous dis à très bientôt pour Vagabondage dans l'Aether.